4 avril 1946. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je viens de rentrer du travail. René, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir fermer le bureau? Il est 11h passé et je n'ai eu le temps de grailler qu'un bout de pain sec et du fromage. Aujourd'hui, j'aurais dû fêter mes 20 ans. Et je n'ai même pas de quoi me servir un canon pour trinquer avec mes meubles. Alors je fais corps avec ma table de travail. La paperasse que je remplis à longueur de journée va finir par me tuer. L'odeur de l'encre aura ma peau. Et du fond de mon couloir, je ne peux même pas voir le jour. Tout ça pour gagner 4 sous afin de m'acheter une paire de ciseaux, un peigne et un blaireau. Des mois qu'ils sont au fond d'un tiroir, et toujours personne à coiffer. Faut croire qu'en ce moment, les gens ont autre chose à faire que d'être beaux. Au moins, j'avais passé mes plus belles guenilles, même si aujourd'hui, je n'ai croisé que mon collègue André. Et c'est dans ces guenilles que je finis mes 20 ans, dans une ville où je ne connais personne, sans personne à qui écrire. Je serais mieux d'aller me coucher. Je commence tôt demain. Cher René, aujourd'hui tu as 20 ans et je te souhaite un joyeux anniversaire. Je tenais à te dire que tu n'étais pas si seule et voulais te remercier pour tout ce que tu feras pour moi. Je te promets qu'un jour, tu l'auras ton salon de coiffure et que tu en auras des dizaines de paires de ciseaux et de têtes à coiffer. Crois-moi ou pas, c'est la vérité. Dans 20 ans, les gens n'auront que ça à faire que d'être beaux. Je pense à toi, René. Chaque jour suffit sa peine. Et bon anniversaire.